Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et un nouveau tuto, cette fois sur l'édition Diamant et Perle au Majestueux. C'est une édition qui est sortie en France le 7 novembre 2008 et qui comprend 100 cartes. Donc il y a 96 cartes normales, on va dire, c'est-à-dire des rares, holo rares, classiques. Et il y a en plus 4 ultra rares qui sont des cartes niveau X. Voilà, donc on va faire un petit tour d'horizon de cette édition. Toujours dans le but de parler de chaque famille, de chaque édition, de l'histoire un peu des cartes Pokémon. Donc, allez, on va commencer par la première ici que l'on a, c'est Darkrai. Donc, c'est une carte qui est holo rare. Alors, même, elle est, alors, je sais pas, on voit pas bien la brillance, en fait, c'est une sorte de petit point, voilà. Holo rare, et c'est la numéro 3 sur 100, et on peut voir ici le petit logo d'eau majestueuse. Donc, dans ces éditions-là, au départ, il y avait beaucoup Givrali, Olorar, Kabutops qui est Reverse, Filali, Manaphy. Donc les premières cartes, ce sont des rares, Olorar. Et après, on va enchaîner sur les cartes peu communes, les cartes communes et les cartes dresseurs pour la fin, plus les cartes extra, donc les cartes niveau X et enfin les cartes ultra, on va dire, et parfois des cartes spéciales. Voltali, donc là on est dans les rares. En fait, toutes les couleurs sont mélangées dans ces anciennes familles. C'est classé par rareté. Les numéros sont par rareté. Alors que maintenant c'est plus par couleur. Torterra en reverse, c'est encore une rare reverse. Alors, on est déjà à la 30e de l'édition. Quatox, Noctali, Zarbi. Toujours des rares. Aqualie, Capidextre. Passe de pique. Et là, on arrive à partir de Capidex aux peu communes. Boscarat, Kangourex, Exelang, Elexprint, Chipenfeu, Papilord. Donc les cartes, bon, j'ai pu en récupérer un bon paquet quand même qui sont dans un état super bien conservé. Il y a également à nouveau dans cette famille-là. Je peux vous montrer un bon paquet de cartes reverse, un sécateur et ton vol, Simularme. Donc c'est vrai que c'est quand même sympa de pouvoir vous présenter autant de cartes différentes. Il en manque quelques-unes au début. Mais j'ai à peu près. J'ai pas regardé combien il en manque, mais il doit en manquer moins d'une dizaine de toute l'édition. Et il y a parfois même la deux versions. La version en reverse et la version en normal, bien sûr. Kabuto, là on est dans les cartes communes. Goinfrex, Ammonita, Pikachu. Il y a un petit Pikachu, c'est la 70, Tiplouf, en deux versions différentes. Et alors, aussi cette particularité, on avait des cartes aussi qui sont sorties avec ce petit logo, cette étoile des neiges, qui était une édition un peu en plus. Donc il y a des exemplaires comme ça. Qui ont ce petit logo alors que ce sont des communes. Sancoquille, Piafabec, Étourmi, Moufouette, Tortipousse. Et là on a les Stadium et Trainer. Voilà. Hop. Supporter, Reverse. Continue. Alors, les cartes sont très belles, hein. Content de vous présenter des cartes dans un état aussi bon. Fossile Nautile, énergie, et là on a des cartes énergie. Ça se faisait bien avec un numéro hein, dans la famille. Dans les anciennes éditions, ça se faisait très bien qu'à la fin de l'édition il y avait plusieurs cartes de l'énergie. Maintenant elles sont plus numérotées, mais c'est dommage d'ailleurs. Et je peux vous présenter, alors pas en super état, une carte niveau X, c'est Givrali niveau X. Donc c'est une carte ultra rare, c'est la numéro 98. Ça fait partie des 4 cartes ultra rares de l'édition. Donc moi j'ai pu en récupérer une, voilà, mais qui n'est pas en super état. Par contre, oui, il m'en manque 3, il manque celle-là aussi, ça fait 4 cartes qui manquent. On va monter ça. Et là on arrive dans les premières, ça fait 5. Ça c'est les rares, donc 6, 7, 8. 11, 12. Il manque 12 cartes sur les 100 cartes. Donc il y en a 88 dans l'édition. J'ai pu vous en présenter au moins 88. Donc c'est plutôt pas mal.
Après, c'est vrai que c'est ancienne d'édition, voilà. On a encore ce petit logo. C'était, alors je sais plus, ça devait être. Ben, l'édition est sortie en novembre, et ben, ça devait être un coffret qui avait dû sortir au mois de décembre pour Noël, avec cette étoile des neiges qui complétait un petit peu ça. Donc, y a pas mal de ces cartes de cette édition-là qui ont cette étoile de neige. Donc, alors ces cartes-là sont beaucoup plus recherchées, plus difficiles à trouver. C'est le hasard hein, pour se les procurer. Voilà. Écoutez les amis, je vais arrêter la vidéo là-dessus et je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo.